Yo les pops, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on est dans mon nouvel appartement. Et je suis accompagné de Zertek aujourd'hui. Yo Zertek. Ouais, les gens, bien quoi? Bah ça va apparemment, ça va très bien les gens, puisqu'ils ont passé une bonne année, j'espère 2016, et qu'ils en passeront une meilleure 2017. D'ailleurs, bonne année à vous. Aujourd'hui on repart sur du G-Mode Dark RP. On va faire voleur avec Zertek. Je sais que ça va vous plaît comme action RP voleur. J'espère que ça va être cool. Zertek l'a jamais fait encore, donc j'espère que t'es prêt Zertek. Ouais, ça va être tout nouveau. On est prêt, on est chaud. C'est parti les babtous, comme d'habitude à la fin de la vidéo, si tu kiffes et que tu veux revoir du G-Mode, tu laisses ton meilleur like. Let's go. Fou, on est sur le serveur Dramax RP avec Zertek, parce que tout simplement on a eu le problème que MSS Click était fermé jusqu'à 17h aujourd'hui. Donc du coup aujourd'hui ça sera du Dramax RP en tant que voleur avec Zertek. Donc là je vais retrouver Zertek devant la mairie et c'est parti. Ok d'accord, bah, j'ai 90 000 au pire hein, pour acheter des armes. Tu l'as vu cette voiture là? Alors, monsieur! Eh vas-y, tu la prends mec de devant, étant, je guette. Il faut, attends, je suis rentré chez vous. Eh hey, monsieur, il y a lui là et. Toi, je te déconseille de faire ça. Tu bouges pas, tu bouges pas. Tu bouges pas, tu fais quoi là? Je me fais braquer, je me fais braquer. C'est mon ami, il se refaisait de lasser. Fouillez-le, fouillez-le. Vous pouvez me fouiller, j'étais en train de nettoyer la voiture. Non, il se refaisait de lasser, monsieur. J'étais en train de. Attendez, monsieur. Il était tranquillement en train de faire ça. À chaque fois qu'il essaye de me fouiller, je. Monsieur n'a rien sur lui. Mais non, j'ai rien sur moi, monsieur, j'étais en train de nettoyer la voiture. Je l'ai vu sur lockpick. Ouais, non, monsieur, arrêtez ouais, de mentir. Ça, ouais. Tout ça parce qu'on est black. Mentir. Allez, vas-y, va-t'en. C'est juste parce qu'on est noir, hein. Mmh. Raciste. Bonjour. Ah, tu me bloques. Bonjour. Monsieur en costard, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Attendez, je vais vous ouvrir. C'est moi, c'est nous, les monsieur en costard, là. Non, je crois qu'on est pas en derrière vous, monsieur. Ah bon, merde. Pendant qu'on attend que le mec nous ouvre, regardez ce chat. Ce chat est posé sur le canapé. Non, c'est toi qu'on parle à peine. C'est de toi qu'on parle. Je suis en train de lockpick, je sais pas quoi, le mur. Je voudrais acheter une bonne arme. J'ai un pied de biche là. Une arme plutôt efficace. Oui, elle a. Et alors, vous avez plus de efficace, c'est le pied de biche, monsieur. Vous rendez compte de ce que vous disiez, monsieur? De ce que vous dites, parce que si vous savez pas parler, tout à l'heure c'est illégal un pied de biche, on peut l'acheter chez n'importe quel quincaillier, Brico Dépôt, Brico Rama, les Castorama, je veux dire. Regardez, pied de biche, Castorama, de très bonne qualité que j'ai payé bien cher. On ouvre selon des palettes et pour les palettes, le pied de biche est efficace. On a un lockpick, on a acheté chez Castorama avec lequel on ouvre des putains de palettes. Exactement. Alors, je vois pas où est le problème. Pourquoi? Regarde, il m'a mis les menottes, je suis pas. Mais pourquoi il t'arrête? Je sais pas. Oh coup, lâche mon pote toi, tu t'es cru où? Pardon. Oh Pierce Brosnan là. Tu vas te calmer? Non. C'est bien Arta gros. Gros je suis coincé. Ah il est tombé. Ah mais les voleurs de merde. Bon, moi je peux partir ou pas? Toujours pas. Allez salut. Bah attendez monsieur, Attends, hé. Ah il m'a mis en prison, mais what, il m'a mis en prison comme ça, au calme. Il m'a mis en prison comme ça, au calme. Dans les babtous, vous avez vu qu'on a essayé d'acheter une arme et comment ça a été galère, on s'est fait arrêter parce qu'on avait un lockpick, c'est n'importe quoi. Bref, parce qu'on avait un pied de biche, c'est n'importe quoi. Bref, en tout cas, nous on va essayer de lockpick des maisons maintenant, mais en tout cas on est vraiment deux voleurs, mais... Mais bracassé quoi. Mais qu'est-ce qu'il veut le flic? Qu'est-ce qu'il veut le flic? Qu'est-ce qu'il veut le flic? Ouais, Colombo là, arrête de nous suivre pour rien. Oui non monsieur, on aimerait acheter des armes. On aimerait acheter des armes. Enfin, est-ce que j'ai compris, vous livrez à domicile? 315 ah, HLM, HLM 315. Voilà, est-ce que vous pouvez venir au niveau des HLM, le numéro 315 s'il vous plaît? Du coup les babtous là, on attend le vendeur d'armes et dès qu'on a le vendeur d'armes avec nous, on va directement faire voleur et on va pas baisser les bras parce que on aura une fucking arme. C'est le vendeur d'armes? Yes, c'est le vendeur d'armes, je crois. Il vient au Porsche, gros. Porsche Cayenne. Bonjour, on vous vous pouvez venir dans la HLM parce que depuis tout à l'heure on s'est emmerdé par les flics, alors juste devant au moins parce que... Moi par contre, moi je suis que... Vu que je suis à domicile, etc., moi c'est des armes illégales, donc moi c'est pas du Glock, c'est soit Colt ou un Magnum. Ben un Magnum, alors enfin le plus puissant entre le Colt ou le Magnum. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que après c'est à vous de, soit vous préférez le pistolet, un vrai revolver un peu à l'ancienne quoi, un peu le Magnum. Ok, donc c'est 2 500 € les deux, enfin un chacun. Ouais, c'est combien, excusez-moi, vous m'avez dit c'était combien? Ah bah c'est bon, vous aurez une caisse avec. Merci. Donc vous avez attendez, donc vous c'est le pistolet normal. Ouais, enfin celui qui est pas à l'ancien. Voilà, c'est combien mon monsieur? 2 500 € et bah vous pouvez mettre 3 000, enfin si vous avez 3 000 vous avez la caisse avec. Et donc c'est le Magnum. Vous vendez pas des menottes? Ouais, vous vendez pas des menottes par hasard? Si, je vends moi je vends les menottes. Ah bah on veut bien vous prendre deux paires de menottes alors s'il vous plaît. C'est 200 € les menottes. Ok, bah on vous prend deux paires. Voilà monsieur. Ok, parfait, merci beaucoup. Bah on vous souhaite une bonne journée et on s'est jamais vu. Merci, ouais, voilà, je vais la porte Zertek. Et si vous avez besoin de moi, vous me dites et je me déplace, y'a pas de problème. Par contre, je t'avoue que s'il livre à domicile et qu'il rentre chez les gens, on peut facilement lui piquer sa bagnole. Hein. Mais après, le problème, c'est qu'il faut qu'il ait un rendez-vous, tu vois ce que je veux dire? Tu penses à ce que je pense?
Je l'occupe, tu lui piques la bagnole après. Tu sais que j'y ai pensé à un moment donné quand il y avait les flics, j'allais dire au pire, toi t'achètes les armes, moi je lui carotte la voiture. Un mec direct, attends, et attends, et regarde lui ce qu'il fait. Lui on regarde où est-ce qu'il habite pareil. Du coup tu veux qu'on fasse quoi là? Alors, attends. Alors là derrière, il y a la maison du vendeur d'armes. Donc là on sait qu'il est pas chez lui, donc on peut la piquer tranquille. Y'a pas de soucis, on peut aller voir ce qu'il y a. Là-bas au coin, il y a le paysan, ils viennent tous de partir, on peut aller voir. Ils viennent tous de partir. En gros, il y a du monde là-haut. Il y a du monde là-bas. Au coin. Non, pas là-bas. Je te parle là-bas au coin. La maison orange là-bas. Vas-y, viens, on va braquer le fermier. Vas-y, go, ouais. Bon, là, on va braquer le fermier. Parti. Eh, viens, on peut rentrer directement par là en fait. Allez, il va falloir lockpick de l'autre côté. Je lockpick là. Vas-y. T'es chaud? C'est quoi, je prends le colt au cas où. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un. Ok go, je peux pas. Il doit y avoir un truc, il cherche aussi, tu peux le piquer. Pique là, mais j'essaye, mais y'a rien. Bonjour. Bonjour. Hey, ouvre ça. Ouvre. Viens ici. Viens là, Oct, tu fais, viens là. Bouge pas. C'est quoi là? Bouge pas. Et le mec il a refermé. Oh, je m'en branle, viens, on a leur plan de weed, on s'en fout. On a tous leur plan de weed, gros. On attend que ça pousse et on a tous leur plan de weed, gros. On s'est refait, gros. Hey, il a tout enlevé, ce bâtard. Ah merde. Mais merde. C'est pas de la weed, on s'est fait baiser. Mais pourquoi il a tout enlevé du coup? Vas-y, moi je garde mon arme, je m'en bats les couilles. Je vais les ramasser, c'est mon balai. Hein. Non, franchement, moi je les recroise, je te jure, je les tue par contre. Ça, c'est clair. Tu vois, on aurait pu braquer et puis là, dégoter le pognon qui se sont fait, quoi, tu vois. Pourquoi t'es en train de. Pourquoi tu l'as. Lockpick, elle était ouverte. C'est un peu con. Il est un peu con, Zertek, hein. Waouh. C'est abusé, vous voyez le genre de RP qui est abusé, le mec on le braque, il se barre et en plus après dès qu'il s'est fait braquer il revend tout et il change de métier quoi. On fait quoi? On lui redemande de venir à l'appartement 315, toi tu te caches. Ah ouais, grave. Vas-y, et moi je me cache dans le petit super rue et dès que tu l'amènes dans l'appartement tu me le dis et moi je lui carotte sa voiture. Je vais dire que je veux lui acheter une AK ou un truc comme ça. Vas-y, tu me dis quand il est là. Il est toujours pas là? J'entends. Ah, j'entends sa voiture. Ah, il est là. Il arrive tout confiant, Thierry vient prendre son whisky. Et Thierry vient prendre son whisky, mais Thierry va repartir à pied. Tu me dis quand tu l'as mis rentrer dans l'immeuble. Je suis en train de m'amener. Vous êtes encore sur le parking là? Non, ça va. Vas-y, j'y vais, go. Je suis en train de lui lockpick. Je suis en train de lui lockpick, gros. J'espère que je vais pas me faire griller par les flics. Ok, j'ai la voiture, gros. Vas-y, je me casse au hangar qui est derrière les HLM. Oh, putain, j'ai planté la voiture. Non, c'est bon. C'est bon, j'ai la voiture, gros. Je descends, je monte dans la voiture et puis tu te casses. Ou alors tu te casses et puis tu me prends plus loin. On est en train de descendre. Non, mais gros, je suis dans la voiture, moi. Je suis au hangar derrière la voiture. Au hangar derrière les HLM, tu vois où c'est ou pas? Ouais, je t'attache à ça. J'ai fait, tu peux maintenant. Vas-y, c'est bon, j'ai tout acheté. Je t'attends là. Je lui fais, tu peux m'emmener en ville? Je te jure, je fais, oh mince, y'a plus de voiture. Ouais, c'est ton pote, ça, hein, c'est ton pote. Je lui fais quoi? Non. Vas-y, viens, c'est pas grave. Tant qu'il tue pas avec une arme, on s'en fout. Moi, je t'ouvre et on le braque. Je suis dans le hangar derrière les HLM. Ok, c'est toi qui rentres là? Ouais, là. Ça lag de ouf. Vas-y, rentre. Alors, je sais pas s'il est en train d'arriver. Si, tu m'entends? Je l'entends. Bonjour. Bouge pas, dépose ton arme. Dépose. Bon, vas-y. Je ferme la porte. Il est niqué dans les deux sens là. Voilà. Alors bonjour monsieur, vous vous rappelez de nous? C'est pas bien d'épier les gens. C'est pas bien de suivre les gens dans la rue monsieur, hein. C'est votre voiture, regardez comme elle est belle, je l'ai bien entretenue, hein. C'est un beau Porsche Cayenne Turbo, franchement, ça pète sa race, hein. Franchement, on peut rien dire là-dessus. Combien vous êtes prêts à nous donner pour votre voiture? Parfait. Moi je peux donner que 1000, gros, c'est la raquette, c'est 1000. Je peux pas plus, 2000 grand max, sinon c'est pas plus, c'est 1000. Un racket, c'est un rachat de voiture. C'est un rachat de voiture, qu'est-ce que tu veux un rachat de voiture? Toi tu l'as volé, qu'est-ce que tu veux, c'est un rachat de voiture. Eh, on parle meilleur là, on se détend, sinon la prochaine elle est dans ton pied, ok? Alors déjà tu nous parles meilleur parce que là t'es en position de faiblesse. Position de faiblesse, c'est-à-dire que tu nous stresses pas, parce que si tu nous stresses, nous, on peut vite péter un plomb, ok? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Ouais, pas de problème, bah je vous en fais cadeau de la voiture les gars, pas de problème. Nous en fait cadeau, mais nous ta voiture on s'en fout. T'as pas compris qu'on en voulait pas de la voiture, nous on veut de l'argent. Voilà, c'est que t'es obligé de la racheter. T'as pas le choix en fait. Je suis pas obligé, je n'en veux pas. Ah bah si t'en veux pas du coup tu vas. C'est moi qui vais te payer, mais je vais te payer en balles. Écoute, bah paye-moi en balles, tu veux pas me tuer, bah je m'en fous, tue-moi. Plus de 2000. Moi je veux bien, mais je donne pas plus de 2000. Pas plus de 2000, d'accord. Par tête. 2000, je vous donne 2000 chacun si vous voulez. Ok. Je vous mets 4000, vous démerdez pour. Par contre, tu reprends ta voiture, tu sors pas ton arme et tu nous as jamais vu, ok?
On est gentil, on te laisse l'arme. Bonne journée. Gros, il va nous tuer. T'as eu 4000, du coup ça nous fait 2000 chacun. Par contre, garde ton arme en main, s'il te plaît. Garde ton arme en main, on va sortir. Voilà. Je vais revendre mes portes. Mais où? What? What? Il y a un printer en plus. Lui, on parle pas avec son printer. Vas-y, prends-le. Bouge pas. Rends ça, poste ça. Pose le printer là. Reste là-bas. Tu vas dans le garage toi aussi. Va dans le garage, avance. Chez vous là. On les a braqués au calme. Mais il est pété son truc. Ah ouais, y'a plus d'ink. Ok. Bon, vu que votre printer il est mort, vous allez nous donner de l'argent maintenant. Ah. Tu lui as explosé le printer, t'as rien respecté. Voilà. Donc vous êtes prêts à donner de l'argent pour votre gueule. Ok. Alors. Ok. Tu donnes pas cher de ta gueule. Ah, ça joue notre gueule toi. Non, tu crois que. Tu te crois où toi? Tu te crois au souk ou quoi? Tu crois que tu peux négocier? Ok, là on est un peu plus d'accord. Ok. Et toi? Voilà, là un peu plus. Tu prends le reste. Le collègue il va donner, il va payer un peu plus pour toi, le collègue. Là on va jouer à un truc, ça va être des enchères. Ah, t'as payé moins que lui. 499, t'as payé moins que lui, donc c'est toi qui va mourir. Non, je peux donner plus. Ton collègue a donné 550. Ah, il a donné 550, ton collègue. C'est quand pour. Franchement, c'est quand pour 51$ Attends, j'ai fermé la porte. Tu vas mourir, c'est toi qui meurs. Je l'ai fermé. Ah, c'est bien, GG. Ok, je l'ai mis. On a 999. Pour l'instant, c'est toi qui meurs. 999, il a donné. Attends, dépêche-toi. Ok, il a donné 500 de plus. Mais on te le revend après. Ok, il va mourir. D'ici 5 minutes, tu seras libre l'entrepôt, t'inquiète pas, mais tu fais quoi là? Ok. Parle bien. Moi je mange des knacks. Oh, y'en a un, il est monté dedans. Oh, descends de là. Oh, fais-le descendre. Ah, tu fais quoi là? Descends là, dépêche-toi. Oh, c'est ma voiture, c'est ma queue. Y'a son collègue qui s'est barré, je vais le buter. Y'a son collègue qui s'est barré, je vais le buter. On les bute tous. Y'en a le cul. Bon. Ah non! C'est bien rigolo, mais c'est pas bien de nous trahir. Je l'ai buté. C'est bon, tu l'as niqué. Alors, non, l'admin il l'a pris. Non. Putain, je voulais le buter. Bon, bah c'est pas grave, au moins il se va se faire ban. J'ai buté l'autre. Hein. L'autre il a redonné 1000 derrière. Hein. Donc en tout, on a récupéré 2500 plus 2000 chacun. Ça nous fait plus de. 4 500€ chacun. Ça va, c'était bien, je trouve. Ça, c'était nice. J'ai récupéré des 1000$ en tout. J'ai récupéré. Enfin, 999 là, ok, l'autre il a passé. Petite sombre, c'est qui a les clés de la porte, s'il vous plaît? C'est moi, je les vends. Désolé, on vous passe les clés, désolé. T'as bien, monsieur, c'est bon, je vous ai passé les clés, faites dans ce que vous voulez. Merci, bonne journée. Au revoir et bon courage. Wouah, qu'est-ce qui t'arrive? Ok, on va conclure. Ok, c'est bon. On s'est braqué. Monsieur. Ah, c'est là, va comprendre. Eh, 2000$ chacun, on débat ça. Quoi, 2000$? Mais t'as cru que t'étais chez ta fille? C'est marrant, j'ai rien du tout. Gros, c'est la Hesse. C'est la Hesse. Je peux te donner 250. Je vais vous donner 350. Vous restez là. M'en fous, vous restez là. Ah, mais Laurent, c'est ton poteau quoi. Eh, mec, je te passe 10 000. Eh, gars, quoi, 5 000? Y'a les flics, les gars. Braque la famille, hein! Bande de sales bâtards! Oh, il fait quoi, lui? Il me tue comme ça, lui! Ça braque la famille, du coup, il nous bute. Ok! Dommage que les motos ont l'air efficaces, tu vois, mais genre, ils sont pas autour de nous en fait. Enfin, c'est normal aussi. Mais... Je veux dire, il y a une communauté quand même de gens qui jouent pas trop RP quoi sur le serveur, comme vous avez pu le voir quoi. Voilà les babtous, c'est la fin de cette vidéo en tout cas. Zertek, j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude. Ok, ça fait plaisir. Donc demain, on remet ça, mais sur MSS Click ensemble. Et on a un scénario ensemble qu'on va faire avec Zertek qui va bien vous faire rigoler. Ça sera en ligne sûrement demain soir. Et je pense que vous allez bien vous marrer. On est d'accord, Zertek, ils vont se marrer demain soir. Ouais, clairement. Je pense que vous allez vraiment kiffer ce qu'on va faire sur MSS Click demain. Vous êtes pas prêts. Bref, comme d'habitude, tu laisses ton meilleur like, ton commentaire de ce que je peux faire en scène RP avec Zertek ou seul. Ça fait plaisir. N'oubliez pas que je vous kiffe les babtous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace. Et bonne année.